Okay, so what I'm doing right now is I'm taping every edge so that there's no leaks. Okay. We were talking about, I can hear about the zones. Listen, what we're gonna do is when Ron has finished his work in there and it comes out that c'est qu'ils vont faire un scénario pour les civils qui sont à l'intérieur. On va faire un scénario comme si il y avait eu un crash d'autobus. Alors nous, on va sortir puis ils vont faire du triage pour savoir de lesquels qui sont le plus mal en point. Puis moi, je pense que j'en ai mangé une bonne. Well, you're in a safe place now. Yes, good job. And we'll look after it. Are you hungry or thirsty or anything? Oh, I'm so thirsty. There's some water and some food over here in this table. Thank you. Yeah. Okay. What else do you guys have? Lift your head very gently. Back. Up your spine. Is he conscious or unconscious? Well, he's drifting in and out, so it's been difficult to determine if he's actually hurt his back or not. That's what I'm concerned about. Because I was going to put him in a rest position. Ben, in the beginning of that, do you have any identification? No. Ici, ce qu'on a demandé là, au niveau du scénario, c'est d'établir un endroit pour accueillir les gens qui auraient été, par exemple, évacués de leur maison et puis pour leur fournir là, les repas là, pour de façon quotidienne. Selon l'estimé présent, c'est qu'ils pourraient facilement nourrir de 100 à 150 personnes sur une période indéterminée.